Bonjour, je m'appelle Eli et aujourd'hui j'aimerais vous parler de création de sites web. Que vous soyez un professionnel ou un marketeur, vous avez peut-être besoin de sites web pour développer votre activité sur Internet. Aujourd'hui, sur le marché, il y a plusieurs plateformes qui permettent de faire cela. Mais nous vous proposons la plateforme Budorol. Pourquoi? Parce que cette plateforme vous donne accès à plusieurs outils qui plus tard vont vous aider réellement à développer votre business en ligne. Et donc, plus vous progressez, plus vous grandissez ou votre business grandit, vous aurez besoin de tous ces outils ou de quelques besoins de ces outils pour rajouter aux fonctionnalités de votre site web. C'est pourquoi nous vous recommandons cette plateforme. Alors, comment faire pour accéder à cette plateforme? Pour ce faire, je vous recommande de cliquer sur le bouton de cette vidéo qui est en bas de cette vidéo ou dans le lien qui est dans la description. Et vous serez dirigé sur une page comme celle-ci, d'accord? Vous serez dirigé sur cette page-là. Et sur cette page, on vous explique étape par étape comment est-ce que vous pouvez créer votre compte gratuit pour commencer à utiliser la plateforme. Donc, pour ce faire, hein, vous allez vous rentrer votre nom, hein, et vous mettez votre prénom, ok. Vous mettez une adresse mail là. Ok, ensuite créez votre mot de passe. Donc, on va créer un mot de passe. Copiez ce mot de passe parce que il vous sera peut-être redemandé pour vous connecter à votre compte. Ok, et une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton avoir mon accès gratuit. Et vous serez dirigé sur cette page-là. Ici, on vous explique dans la vidéo. Je vous invite à regarder cette vidéo. On vous explique comment est-ce que vous allez paramétrer votre compte une fois que vous y avez accès. Donc, pour accéder à votre compte gratuit que vous venez de créer, tout ce que vous avez fait, c'est de cliquer sur le bouton. Ici, on vous redemande de nouveau votre adresse email. Donc, l'adresse email qu'on vient d'utiliser pour créer notre compte. Et notre mot de passe. Et on se logue sur le compte. Donc là, maintenant que vous êtes connecté au compte, vous choisissez votre pays. Hein, si vous êtes en France, vous cliquez sur France. Hein. Et votre compte est créé. Maintenant, vous avez accès. Ah, ça c'est une autre vidéo de présentation de la plateforme elle-même et on vous explique étape par étape. Si vous suivez la procédure qu'on vient de vous montrer et que vous avez des questions, tout ce que vous avez à faire c'est de nous envoyer un message et nous allons vous aider progressivement à tirer le meilleur de cette plateforme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.